Hello tout le monde, c'est Sienna Panda et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le serveur Elfe versus Nain en compagnie de Ginny et Torling. Oui. Coucou. Coucou. Comment ça va? Ça va. Ça va. Alors déjà, remarquez une chose. J'ai beau la fight, ça marche pas. Hein, PVP pareil. Activé, non. Désactivé justement. Oui mais activez-le, que je le tue, je sais pas. Donc, ah tu voilà. Me tuer. Mais tu m'as tué 3 fois, toi, tais-toi. Ça suffit, les enfants. Moi, de mon côté, on a changé le ressource pack puisque Alpha Remix, qui est du côté des nains, bossait sur un ressource pack pour les elfes. On l'a un petit peu modifié parce que le bois n'était pas adéquat par rapport à nos constructions. Mais on a gardé une partie de ce qu'il avait. Je crois qu'on... Non, on n'avait pas gardé les loups, mais on a gardé pas mal de trucs. Surtout au niveau des armures, comme vous pouvez le voir. Ginny, elle a une armure classe. Oui, et Torling qui sort de la Grey Pride. Ouais, Torling qui sort de la Grey Pride, il brille, il est en rose, etc. Et je fais cette vidéo, ça serait une vidéo très rapide, je pense, puisque une personne n'a pas dédicacé des panneaux, mais a marqué un coffre avec une surprise t'attend en 547-382. Et il y a Ginny qui est devant l'autre panneau, donc du coup, je peux pas le lire à l'intérieur de la maison. Smilet qui tire la langue. Donc du coup, on va aller aux coordonnées. Attends. Donc toi, t'as changé ton ressource pack, et moi j'ai changé les ressources pack et j'ai mis des shaders aussi. Oui, t'as enfin réussi à mettre des shaders. Oui, j'ai mis 3 heures, mais j'en ai mis. Yeah. Du coup, on va aller en 547-382. Est-ce que vous êtes radis, les gars? Je suis radis. Je suis un radis au beurre, avec du sel. Ah oui. Donc c'est pas très loin, pour le coup. Donc sa vidéo, elle va durer 10 minutes, mais elle va être drôle. Non, mais je vais en profiter aussi pour parler de quelque chose qui s'est passé sur le serveur que je trouve inadmissible. Ça c'est pas cool. Ouais. Franchement, celui qui a fait ça. C'est franchement pas cool. C'était 382, donc c'est encore par là-bas. Je trouve ça inadmissible puisque Frizz, qui est du camp des elfes, s'est fait voler tous ses minerais. Quand j'ai su ça, j'étais hors de moi et la personne, si elle regarde cette vidéo, a intérêt à se dénoncer et à rendre ce qu'il a pris. Parce qu'on s'est amusé pendant une heure, enfin amusé est un bien grand mot. On va un peu trop loin, hein. C'est 382 les gars. Ah bon? Oui. Mais moi je sais pas, je te suis. Hein. Bah, c'est là en fait, je crois que c'est cette maison là. Oh, maybe. Ouh, il y a un lit. Oups, j'ai dormi dedans. Oh merde, dans la merde. C'est pas grave, le spawn est pas très loin. Non, pour le coup, la maison est bien faite. Ouh, il y a une table d'enchant, il y a une enclume. Oh, c'est cool ça. C'est à qui? Il y a un livre chasseur. Ah, bah c'est fait par Meds. Désolé, le livre il a signé à ta place. Salut Sienna, je vois que tu as suivi le panneau. Maintenant, si tu veux trouver le trésor, clique ici et regarde jusqu'à la fin. En même temps, c'est pas long. Ah ouais, le mec, aucun scrupule. Mais je peux pas cliquer. C'est moi? Vas-y, passe. Je peux pas cliquer. Je peux pas cliquer sur la vidéo. Ah oui, mais il y a plein de ressources ici. Mais c'est sa maison à lui. C'est sa maison à lui, mais il a fait un petit truc avec chasse au trésor. Je peux pas cliquer non plus, en fait. J'essaye, mais ça veut pas. Donc du coup, je pense que je vais faire une ellipse, le temps de regarder la vidéo. C'est moi qui l'ai. Du coup, je mets le lien de la vidéo et... Au pire, attends. YouTube. N'empêche, attends, 2 secondes. Je peux dire un truc? Oui. Monsieur ou madame, je ne sais pas qui tu es, ta façon de te faire de la pub est vraiment énorme. Franchement. Grave, pour le coup, GG. V égale. Je suis en train de taper le. Par contre, on se cogne la tête chez toi. Oui, donc... un peu, ouais. T'aurais pas pu faire un plafond plus haut? Ouais, non. Bah, au final, je vais pas faire des lips, je vais essayer de parler en même temps que je tape le lien de la vidéo. J'ai envie de lui piquer du poulet pour le. Allez, je lui pique 3 poulets, bien fait. C'est le prix de la pub. Aïe. Non, ce que je voulais dire, c'est que la personne qui a volé. Qui a volé Frizz. Sera directement ban.
On a mis un système de lock. Donc pour ceux qui connaissent le plugin, c'est Locket, qui nous permet en fait de mettre des... Oh, oh, ça fait une poule. Qui va nous permettre en fait, si vous voyez, regardez. Voilà, je vais mettre un panneau et je vais juste mettre dessus. Et là, son coffre, oh, personne peut l'ouvrir. T'as eu de la chance. T'as eu de la chance. Regardez, Ginny, Torlink, essayez d'ouvrir le coffre qui est là maintenant. Je m'en fous, meuf. Meuf, j'ai trois œufs. I don't have the permission. Voilà. Ils n'ont pas la permission, c'est-à-dire que... Avec ce, avec ce panneau-là, ils ne peuvent pas ouvrir les coffres et on en a parlé avec les elfes. Donc s'il y a des elfes qui n'étaient pas connectés au moment où on a fait la fouille, sachez que maintenant il y a le plugin Locket. Il suffit tout simplement de mettre un panneau. Vous faites Shift clic droit et vous écrivez rien sur votre panneau. Vous faites juste Done et vous voyez que c'était marqué Private avec votre pseudo. Et il n'y a que vous qui peut ouvrir ce coffre-là. Bon, franchement, elle est cool ta maison, hein, monsieur qui fait de la pub, mais elle est pas éclairée du tout. Hein. Ça va pas. Allez, je t'offre des torches, mais il va falloir me les rendre après. Voilà. Donc là, j'ai le lien de la vidéo. Je vais cliquer dessus. Alors, ta vidéo, elle marche très bien. Attendez. C'était un sarcasme ? Oui. Et là, tu marches ? Oui, chasse au trésor. Ah, c'est une vidéo en privé. Oh, mais il fait pas de la pub alors, ce con. Ouais, sur ma chaîne. Alors, tu as aimé le troll. Alors, ce que tu fais, continue. Oh, c'est trop mimi. Salaud, il est où le trésor? Bezou. Oh, Med, c'est trop mimi. Bon, vous avez la musique, du coup. Bon, non, bravo, moi, te voilà sur ma chaîne. Eh bien, pour la peine, je vais m'abonner. Elle est même pas abonnée à moi. Je suis propre. Allez, si, je suis abonnée à toi, saloperie. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Menteuse, je t'ai pas vu. Hein. Bah, c'est pas de ma faute si tu m'as pas vu. Hein. Oh, il y a quelqu'un qui est tombé. Bref, je vous mettrai la vidéo en non répertorié dans la barre d'infos. Merci à toi, Metz, pour ta vidéo. Merci beaucoup, je te fais des bisous. Voilà. Attends deux secondes, si j'ai bien compris, il n'y a pas de trésor. Il y a un livre. Il y a un livre. Oui, parce que sur le coup, je me suis dit, ouais, mais si c'est une chasse au trésor, autant y aller à plusieurs, c'est plus drôle à plusieurs. Salaud. Salaud, collabonazie. J'avoue, il est où le trésor? On m'a menti. On m'a menti sur ça. Je vais en profiter, ce sera une vidéo complètement blabla. J'ai vu vos commentaires, donc pas tous, parce que je pense qu'il y aura d'autres commentaires à l'heure où je tourne la vidéo. Par rapport aux idées que vous nous avez proposées, il y avait une idée, j'ai pas les pseudos en tête, hein, j'ai juste les idées, d'une caverne merveilleuse à faire qui m'a vraiment plu, mais je ne savais pas comment faire. Moi aussi, je l'ai lu celui-là de commentaire, Sienna, et ouais. Je crois que j'ai une idée, faudrait qu'on en parle. Faudrait qu'on en parle en privé, mais même Nightlaw l'a vu et voulait s'en occuper. Je lui ai dit, bah écoute, bon, si tu as besoin. On peut le faire à plusieurs. Voilà, on peut le faire à plusieurs, donc. Je pense que cette idée va être faite en vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous intéresse. Et aussi n'hésitez pas à aller voir la prank des nains. Oui. Oui. Faudra me passer le lien que je mettrai en barre d'infos aussi. Je crois qu'il va sortir un lundi ou un truc comme ça, donc on a encore le temps pour le moment, mais... Ouais. Je te passerai le lien dès qu'il te passe. Y a pas de souci. Et un deuxième commentaire que j'ai retenu au niveau des idées, c'était, si je dis pas de bêtises, une cascade à faire... Où quand on passait sous la cascade, en fait, on avait un accès aux grottes principales. Et je trouvais ça trop stylé. Surtout qu'avec le ressource pack que j'ai, bah, l'eau est transparente et c'est franchement classe. J'aime beaucoup. Donc ça pourrait rendre super bien. Donc je pense que ces deux idées-là, je vais le peaufiner de mon côté avec les zigotos qui sont là. Et on va vous faire ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez plus de trucs, à donner plein d'idées. La vidéo est très courte, elle fait 12 minutes, genre, c'est tout. Bah, c'est un HS, Ouais, ça va être un petit HS. Oh, petit zoom. Des épisodes spéciaux. Fine. Oh, ça donne envie. Ah oui, c'est vrai que je peux le faire maintenant. Moi aussi. Ouais. Bonjour, Sienna. Ça va? Ça va être. Bref, on se laisse, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir la chaîne des commentaires. La chaîne des commentaires. La chaîne des copains, pardon, j'ai du mal à parler. La chaîne des copains. Oui. La chaîne des copains, et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.